Vous l'avez compris, le Négro spirituel est un chant triste, lourd, avec des mélodies fantastiques et surtout des harmonies très particulières qui donnent beaucoup de puissance à cette musique et qui créent chez nous, qui n'avons pas cette culture et cette origine, qui créent quand même une certaine émotion. Je pense que tout le monde, tous les gens qui écoutent le Négro spirituel sont quelque part touchés sans savoir pourquoi ils le touchent. Mais parce que tout simplement c'est une mélodie qui est puissante, qui est empreinte de beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, et ça rejaillit au travers de ces chants. Alors je vous parlais du voyage. 3 semaines un bateau mettait à l'époque pour partir de la porte de Gorée en Afrique où les esclaves étaient triés. Alors en fonction des négriers, en fonction des sociétés qui traitaient cette marchandise, ils étaient soit triés à la porte de Gorée. Quand j'ai dit triés, ça voulait dire qu'on mettait les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Et ils partaient dans des bateaux différents. Ils étaient de toute manière, même les enfants, enchaînés en fond de cale. Sinon, ils étaient triés à l'arrivée. Voilà, ils étaient tous enfermés en fond de cale. Et à l'arrivée, ils étaient triés. Ça dépendait un petit peu des négriers et de leur méthode de travail. Quoi qu'il en soit, étant enchaînés, évidemment, en cas de naufrage, ben, ils sombraient. Mais comme disaient les négriers, ça n'était que de la marchandise, c'était pas bien grave. Ils tenaient encore plus à leur bateau qu'à ce qu'ils transportaient. Mais il y eut un capitaine qui s'appelait John Newton, qui fit naufrage. Bien sûr, il perdit sa cargaison et son bateau, mais fut le seul rescapé. Pour remercier Dieu, parce qu'il était profondément croyant, protestant d'origine, il devint militant abolitionniste et surtout pasteur. Et d'origine irlandaise, il a ramené de son pays une mélodie fantastique que vous connaissez tous. Elle a été, je pense que c'est un des Négro spirituels et gospels les plus interprétés au monde. Si je vous dis Amazing Grace, vous aurez compris tout de suite de quoi il s'agit. Was blind.